Salut tout le monde, bienvenue dans le 15e épisode de la série Track D. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un modèle qui est bien très emblématique de la catégorie GT. Et quelle marque est la plus emblématique de la catégorie GT que Porsche? Et puisque c'est une marque extrêmement titrée, hein, on a pu le voir sur tous les continents, dans beaucoup de disciplines, beaucoup de divisions de GT. Et aujourd'hui, c'est la 997 GT3 RSR qui nous intéresse. Elle est disponible depuis peu, compatible avec la dernière version d'Assetto Corsa. Donc je me suis dit, l'ayant loupé la dernière fois, cette fois-ci on va s'y pencher. On est sur l'Autodromo Enzo Edino Ferrari, bien sûr, le tracé d'Imola, vous l'aurez reconnu. Et c'est un mode vraiment, vraiment agréable. Alors la physique de la voiture est assez classique, hein, pour le coup. Vous allez retrouver ce que vous avez comme habitude de voir dans les comportements, globalement bien sûr, hein, c'est très spécifique, mais ce que vous pouvez avoir avec les GT disponibles déjà dans Assetto Corsa de base, donc les GT3 je précise, pas les GT2. Donc une voiture qui a un transfert de masse assez facile, le moteur à l'arrière donne vraiment une facilité de direction à la voiture sur les changements de cap que demande un circuit comme Imola. J'ai choisi Imola parce que c'est un circuit vraiment où la voiture exploite toute sa plage de couple, et c'est vraiment, vraiment un vrai bonheur d'entendre et de suivre et de piloter cette Porsche. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu brouillonne à l'intérieur, même si on notera la présence du Motec sur le tableau de bord qui est vraiment extrêmement complet, quoi. Voilà, la voiture elle est prête, elle est en version 1.0 depuis quelques jours, et voilà, je trouvais utile de vous la présenter dans la série Track D. Donc vous retrouvez bien sûr cette voiture dans la description, ainsi que le lien vers le site, tout ce qu'il vous faut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à me les poser dans les commentaires, et je vous donne la dernière règle, vous connaissez maintenant la phrase, montez le son les amis et profitez-en.